Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 novembre 2021. J'ai commencé ma journée en allant rendre un hommage à mon grand ami Jean-Louis qui est mort le 24 novembre 2015. Ça fait aujourd'hui 6 ans, donc je suis parti en Belgique, à Rolly, lui rendre un petit hommage et puis en même temps aller sur la tombe également de Ludivine puisqu'elle est enterrée à côté de son papa. Et ça fera au mois de mars 2 ans qu'elle est décédée aussi. Voilà. Et puis, j'en ai profité pour faire aussi une bonne balade. Et puis, là, c'est l'heure de la pause. Là, c'est l'heure de la pause café. Et puis, on ne va pas tarder non plus à déjeuner. Enfin, voilà. Ah, c'est une journée du souvenir. Il ne faut pas être triste. Hein. Il faut se souvenir des bons moments qu'on a passés. Tous les trois ensemble. Et puis voilà. Alors mon café est-il bien chaud? Oui. Et puis là je suis près d'un étang, je fais ma pause café, je vais faire quelques photos et puis après ça sera l'heure de manger. Là je me réchauffe avec un bon café parce que il faisait moins 2, moins 3 ce matin. Alors que je vous montre un peu tout ça. Alors là, c'est une terrine de marcassin. Là, c'est de la noix de sanglier. Donc voilà, il y en a 3 tranches là. 1, 2, 3, oui, c'est ça. J'ai de la belle tomme des Vosges. Une clémentine de Corse. Mon bon pain. Mon café, ma flotte. Et puis des petits couverts comme on avait quand je voyageais sur Air France. Et puis voilà mon environnement de ce midi là. Allez, on va goûter ça. Oh putain. Ah, dis donc. Marcassin et sanglier, quand c'est mangé dans les bois, c'est un autre goût. Hein. Voilà, eh bien, je me suis bien régalé avec cette terrine de marcassin là. Et maintenant, on va passer à la noix de sanglier. Voilà. Oh putain, quel goût! Non, mais quel goût! Oh, le mieux, c'est encore avec les doigts. Non, là, c'est le mieux. Bon, et bien, tout ça est très bien, mes amis. On va attaquer le fromage. Regarde-moi ça, les beaux trous qu'il y a là-dedans. Un bon morceau hein, quand même. Il faut ça. Et puis c'est tout. Ben nous là. La bonne clémentine de Corse. Voilà. Rien que quand t'es plus chat, t'en prends déjà plein les narines. Hein.
Corse. La Corse, j'adore la Corse. Oui. J'étais, il y a quelques années de ça, parti 2 mois en Corse, en dessous de Bastia, dans un domaine qui s'appelait le domaine d'Enghien. C'était chouette. Au bord de la plage, là. On a bien bouffé. On a fait des sacrés randos là-bas. C'était quelque chose, hein.